بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نزلنا بغضية حديث que l'on retrouve صحيح البخاري ومسلم où le صلى الله عليه وسلم nous إنما مثل ومثل ما بعثنا الله به كمثل الرجل أتى قوماً Il nous dit donc euh, dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exemple que je suis est à l'exemple par rapport à l'exemple que Allah a fait de moi en m'envoyant et eh bien est à l'exemple d'un homme qui se présente à son peuple. « Faqala ya inni al wa inni ana Et donc il annonce à ce peuple « Oh mon peuple, vraiment j'ai vu de mes propres yeux une armée qui est prête à déferler, à déferler sur vous. Je suis là pour vous mettre en garde. Je suis un, donc un avertisseur là pour vous mettre en garde. Et donc fuyez, prenez vos protections et fuyez. « ta'ifatum min une partie de ce peuple a obéi et ils ont, ils ont fui. Et donc certains ont commencé donc, à rassembler ce qu'ils devaient rassembler et ils ont, ils ont réussi à se sauver. Et en se sauvant, et bien ainsi, ils ont su se protéger. Et une partie de ce peuple a démenti ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a annoncé et donc ils n'ont pas voulu n'ont pas voulu obéir fasbahou makanahum fasbahahum al Fa'ala et lorsqu'ils se sont réveillés au matin et eh bien ils ont retrouvé l'armée qui a déferlé sur eux et forcément qui les ont, hein, qui les ont tous éliminés fadalik <tous -titrage> Et donc, il dit, et voilà l'exemple de ce que je suis pour vous. Ceux qui m'auront obéi et qui auront cru en ce que je leur ai dit, eh bien, ils auront réussi à se sauver. Et ceux qui m'auront démenti, ceux qui donc ceux qui n'auront pas cru en ce que je leur annonçais, et bien ces derniers et bien forcément euh, périront et donc il dit voilà donc euh, l'exemple que je suis par rapport à ceux avec quoi je, je suis venu en termes de vérité Ce avec quoi je suis venu en termes de vérité et donc à l ulama al hadith qu'est-ce qu'ils te disent arsala allah jalla fi al ar-rasul mubashirin wa fa faman tabi'ahum faza wa najah fi dunya wal ankhara wa man khalafahum donc on comprend par ce hadith, qui est extrêmement important, que, le, que les prophètes et les envoyés ne sont envoyés à leur peuple que pour justement leur annoncer la bonne nouvelle et les mettre en garde de ce qui pourrait eh bien, les faire périr. Et cela est une façon eh bien, de les secourir, de les sauver. Le jour de la résurrection, al kriyam, et ceux qui auront divergé de cela, ceux qui se seront écartés, eh bien, de ce conseil et de tout cela, eh bien, ces derniers, eh bien, malheureusement, périront, ce qui veut dire que le jour de la résurrection, les kriyam, eh bien, forcément, Allah les punira, les punira en conséquence. Donc, ce message, eh bien, il s'adresse à l'ensemble des croyants et des croyantes. Et à l'ensemble de, des gens jusqu'à la fin des temps. Et cela, tu le comprends même dans le verset lorsqu'Allah, il t'appelle à cela. À comprendre que l'obéissance au prophète, a. et le fait d'obéir donc aux ordres d'Allah et de son prophète, constitue pour toi eh bien, le secours. Constitue pour toi le fait d'être sauvé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tu vois comme quand Allah te rajoute à cela, C'est que Allah, il t'appelle à quoi À le crainte d'une véritable crainte, pas la crainte d'apparence. Pas la crainte, tu vois, comme cela, où tu montres une forme de crainte, alors qu'en réalité, tu ne crains pas. Et comment est-ce que tu ne crains pas Tu ne crains pas en ne mettant pas en application les ordres d'Allah et de son prophète, qui sont pour toi les remèdes. Qui sont pour toi les médicaments, qui sont pour toi les moyens d'être secouru dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qui veut dire que je dois porter attention à ce que le prophète, bah, eh bien, m'a mis en garde. Parce que cela, c'est comme s'il me prévenait d'une armée qui était prête à déferler, à déferler sur nous au matin. C'est comme si toi, finalement, par le message divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es mis en garde. Attention, une armée va déferler sur toi demain matin. Prends tes précautions. Mets-toi à l'abri, fais attention au message, prends cela en compte. Et toi Soit tu prends en compte cela et tu dis le message est, est grave, l'avertissement est grave, donc je vais me préparer. Et je ne vais plus être là au matin parce que je sais ce qui va se passer, parce que tu y crois. Tu as la foi ferme au message du prophète. Wa soit eh ben, tu, tu dis non, mais bon, c'est bon, ce ne sont que des annonces, hein, ce sont que des promesses, des choses comme cela, mais en réalité, il ne va rien se passer. Et tu restes comme cela tranquille jusqu'au matin et tu péris. Et bien de la même manière, Allah te met en garde contre lui-même. Contre lui-même. Quant au fait que tu te présentes à lui, il est en mal alors que tu ne t'es pas préparé. Tu n'as rien mis en provision en termes de bonnes œuvres. Et tu vas te présenter à lui avec tout cela et tu ne pourras plus revenir en arrière. Donc c'est une mise en garde. Mais Allah te dit crains véritablement d'une véritable crainte. Et ne mourrez qu'en état de totale soumission. Qu'est-ce que totale soumission Cela veut dire en étant convaincu que tu vas rencontrer Allah. Donc, cela, au préalable, qu'est-ce que tu fais Tu prépares ton terrain pour rencontrer Allah de la meilleure des manières. Celui qui va, comme dans le verset coranique, celui qui obéit à Allah et à son envoyé, voilà celui qui aura obtenu la grande réussite, la véritable réussite. Et donc, c'est comme cela que les gens. Tu les vois divergents. Les gens, tu les vois, eh bien, se perdre. Ils se perdent malheureusement par rapport à ce message. Alors tu as ceux qui adorent Allah en surface. Tu vois, en surface. Je fais mes prières. Voilà, je fais, je fais la base minimale, obligatoire. Et puis ça me suffit. Et puis tu as d'autres qui craignent vraiment et qui vont faire des œuvres en plus parce qu'ils ne, ils ne comptent pas que sur leurs œuvres, comme cela d'apparence. Ils ne savent pas si celles-ci sont acceptées par Allah Donc ils craignent. Allah Azza wa par rapport à cela. Et donc ils vont mettre des œuvres en conséquence. Et qu'est-ce que tu fais par rapport à cela Eh bien, tu ne fais que te préparer à un grand jour. Tu vois Craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour demain. Demain, c'est quand Les Al-Qiyamah. Un jour où ni tes biens, ni tes enfants, ni ta richesse, plus rien ne pourra rien pour toi, si ce n'est celui qui va venir à Allah avec un cœur pur. Ce cœur pur, eh bien tu l'as nettoyé de tout ce qui peut eh bien le corrompre, de tout ce qui peut le falsifier en termes de polythéisme, en termes de bida'a, d'innovation, qui n'ont pas de fondement dans la religion en termes de moukhalafat, de toute contradiction donc à l'adoration pure d'Allah l'Arzawodjel, et de tout ce que tu rajoutes à cela, en termes de péché, de, de, de médisance, d'envie de, mauvaise, de jalousie, d'injustice, de crime, de mensonge, tout cela qui viennent se mélanger à ton cœur. Et bien forcément, tout cela, il ne faut pas que tu le perdes de vue. Tout cela, tu devras le nettoyer. Donc soit tu les nettoies maintenant, fit de pendant qu'il est encore temps et que tu en as les moyens, et si tu ne l'as pas nettoyé maintenant, tu devras le faire nettoyer le jour Et comment Eh bien, il est rapporté que eh bien, les personnes devront subir des péchés, devront subir de leurs péchés, eh bien, des châtiments. Pourquoi Pour rentrer fil Jannah, salim parce que tu rentres au paradis avec un cœur saint. Tu n'entres pas au paradis avec un cœur qui est touché hein, de choses mauvaises. Et qui est corrompu, qui est falsifié, tu vois, par le fait de l'adoration d'Allah, qui n'est pas correct. Donc, Allah te fait passer par une case, tu vois, de rendre des comptes et de subir pour ensuite, après, devoir rentrer au paradis comme cela. Alors, les gens te diront, oui, mais cela, ce n'est pas toi qui décides. C'est Allah qui décidera si la personne subira ou pas. Peut-être, mais tu sais pourtant par les hadiths qu'il y a des gens croyants qui seront en enfer. Et comment tu le sais Puisque Allah fera, sentir, fera sortir de l'enfer des gens qui ont, ne serait-ce le poids d'un atome de foi. Donc ce qui prouve qu'ils sont passés par la case enfer. Donc euh, à cela, est-ce que tu prends le risque de te dire, bon on verra, comment est-ce que je me présente Eh bien ça c'est équivalent à celui, tu vois, dans ce bas monde, mais qui ne le fait pas pourtant, hein, mais c'est équivalent à cela. Celui qui va demain se présenter à un travail, il n'a pas de travail, il est au chômage depuis toujours. Il va se présenter à un travail. Et puis il y va tranquille, tu vois. Même pas, il ne s'améliore sa tenue, même pas, il ne prépare ses arguments, même pas, il refait son CV, il prend un CV qu'il a fait il y a 22 ans, tu vois, il n'y a, a même pas Internet peut-être, tu vois. Il vient comme cela, il se dit c'est bon, ça va passer. Voire même, il se dit, bon on verra de toute façon, ben, il me prend tant mieux, il ne me prend pas tant pis, tu vois. Donc il, il y va comme cela. Ben, de la même manière, quand toi tu le vois, cette quand cette personne, tu, une personne vient te raconter cela, tu dis mais vraiment toi, alors toi, vraiment, tu vois, pas de problème, tu n'as pas de stress. Ça se voit que tu es tranquille dans ta vie. Tu t'inquiètes, tu, tu te dis, c'est qui qui réagit comme ça si ce n'est quelqu'un qui ne veut rien faire Si ce n'est quelqu'un qui vraiment, ça l'intéresse pas à lui de, de sortir de ce qu'il est. Alors comment toi, tu sais que tu vas être interrogé sur tout. Il n'y a rien qui va passer, qu'il n'y a rien qui ne va échapper. Allah Tout. Ce que tu as pu cacher, ce que tu as pu montrer. Ce que tu as pu faire, voire pire que cela encore, tes membres vont témoigner sur toi, ta bouche va parler, tes mains vont parler, ton corps vont parler, tes pieds vont parler. Tout va être interrogé comme cela. Et nous on y va en mode tranquille. Tu vois, on se dit c'est pas grave, on verra demain. Alors que Allah te met en garde. Il te met en garde. Préparez-vous. Faites attention. Tu vois, que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour demain. Et préparer c'est quoi C'est par des bonnes œuvres. C'est par des bonnes actions. La ta quoi Et c'est comme cela qu'on te dit quoi On te dit que et eh bien, cela, man ata'a sallallahu alayhi wa sallam, najafid dunya wal-akhirah, celui qui va obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va se sauver dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Comment tu te sauves dans ce bas-monde Grâce au fait de l'hidayah, de la guidance. Tu obéis, Allah a dit à son prophète, tu es guidé, tu es orienté. Allah a dit à son prophète, il t'apporte cette lumière qui te guide, avec laquelle tu, tu marches entre les gens, tu vois tu, donc, ton chemin est illuminé par la lumière d'Allah, par le fait de l'obéissance. Et dans l'au-delà, bien évidemment, par le fait d'avoir obéi à cela. Alors que celui qui va désobéir au prophète, eh bien, il attire sur lui, malheureusement, les, les châtiments, si on peut dire, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Comment dans ce bas monde Des fois, il peut arriver quelque chose dans ce bas monde qui est une calamité qui est irrévocable. Tu ne peux plus revenir en arrière à cela. Tu vas me dire quel exemple Quelqu'un, des fois, dans la folie, il va commettre un meurtre. C'est fini. Tu ne peux plus revenir en arrière par rapport à ton acte. Tu vas être condamné, tu vas, tu vas vivre malheureusement d'une certaine situation dans ce bas monde qui peut te causer énormément de tort et ainsi de suite. Tout cela pourquoi Pour un acte sur le moment irréfléchi. Pour un acte d'inconscience totale. Mais cela pourquoi Parce qu'Allah, tu as laissé à toi-même. Tu vois t as abandonné à toi-même. Tu vois À ce moment-là, au point que la décision, tu l'as prise comme cela, sous l'effet de la colère, tu as perdu l'écran de protection pour x ou x raisons. Tu vois Allah, as abandonné comme cela, à toi-même. Acte irrévocable. Tu ne peux plus revenir en arrière par rapport à cela. Et ça t'amène des conséquences et des calamités graves, forcément sans compter qu'il se peut que tu rendes compte dans ce bas-monde, mais aussi dans l'au-delà par rapport forcément à cela. Alors qu'Allah, il te dit, grâce à cela, l'obéissance à son prophète, et de cheminer sur le chemin d'Allah, va te préserver des calamités, va te préserver des choses qui peuvent te toucher dans ce bas-monde, te préserver des choses qui peuvent être mauvaises pour toi dans ta croyance, mais aussi dans ta vie mondaine et dans l'au-delà. Par le fait que forcément, eh bien, tu seras protégé par tes actes d'adoration, par ta prière, par ton obéissance. Allah azboudil, tu te rappelles que le prophète alayhi wa sallam, sera dans son bassin. Et les, et les gens viendront à lui. Ils devront passer comme cela pour arriver jusqu'à son bassin. Et certains vont trébucher, vont tomber. billah. Et le prophète alayhi wa sallam, dira Ya Allah, ummati, ummati, ce sont ma communauté. Et Allah, le dira Mais tu ne sais pas ce qu'ils ont innové, ce qu'ils ont fait après toi. Et le prophète me dira, et eh ben, qu'il périsse alors. Pour cela, pour cela qu'il périsse alors. Tu vois? Pour t'être désorienté du droit chemin, pour t'être écarté de la miséricorde d'Allah, alors que tu avais tout entre tes mains. Le Coran, la guidance d'Allah, et bien tout cela pour être guidé par Allah. ta'ala. wa hadith, « ala » Ce hadith, il t'enseigne à quel point tu dois t'accrocher Fermement et fortement à la vérité est accroché à l'islam de la plus grande des forces parce que cela pour toi constitue ton secours dans ce bas monde et dans l'au-delà et surtout d'être protégé le jour de la résurrection du feu. Et c'est comme cela que tous ces exemples, tous ces paraboles. Tous ces exemples, ces paraboles, elles te sont données pour que les gens réfléchissent et qu'ils méditent et qu'ils se disent c'est vrai, faut que je fasse attention, il faut que je me préserve et que comment tu vas te préserver en, en m'intéressant à ma religion, en m'intéressant à, à ce cheminement, en m'intéressant aux gens qui sont autour de moi par le fait de pouvoir euh, transmettre la bonne parole, de les conseiller de ceux qui sont égarés, de les rappeler à la vérité, et ainsi de suite. Tout cela, pourquoi Parce que je souhaite le bien pour moi-même et le bien pour les gens. Parce que les prophètes étaient comme cela, n'est-ce pas Ils étaient comme cela. Ils étaient envoyés dans leur communauté. Certains de leur communauté les ont, euh, les ont tués, les ont, leur ont fait des choses graves. Beaucoup ne les ont pas cru. Et pourtant, ils avaient la ferme conviction et la ferme intention de vouloir les guider sur le droit chemin. De pouvoir les amener à l'islam ou à la croyance d'Allah, et pour tous les prophètes, à la soumission d'Allah. Et c'est comme cela que tu te rends compte que, eh bien, aujourd'hui, toi, en tant que musulman, tu vas négliger des fois ta religion, tu vas négliger les commandements d'Allah, tu vas négliger les conseils du prophète pour bien vivre, tu vas négliger toutes les bonnes actions, les bonnes œuvres pour améliorer ta prière pour améliorer tes invocations, pour améliorer euh, l'augmentation de ta lecture du Coran, pour améliorer ceci, cela, tout cela qui va te servir dans ce bas-monde et qui est une préparation. Tu vois. Ce sont des provisions que tu prévois et que tu prépares comme cela avant de pouvoir arriver là où tu dois arriver à ta destination finale, qui est la présentation de tes comptes. Et puis toi, des fois, tu oublies cela et donc tu laisses passer les jours, et tu laisses passer les semaines, et tu laisses passer les années jusqu'à tant qu'il soit trop tard. Combien de personnes ont laissé passer dans les années où ils avaient la capacité d'aller faire l hajj, le pèlerinage, alors que cela était extrêmement accessible Il y a 20 ans, tu vois, certains ils pouvaient le faire facilement. Et à ce moment-là, tu l'as négligé. Tu as dit, on verra plus tard. On verra plus tard. Au point que maintenant, aujourd'hui, eh tu te plains du prix. Tu te plains de l'augmentation tarifaire. Mais cela, c'est une fausse plainte qui n'est pas acceptée, qui est rejetée. Parce que c'est comme cela aujourd'hui. Le monde a changé. Les choses ont changé. Donc tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et tout ce que tu dépenses pour Allah, c'est ce pas une dépense mondaine, c'est ce pas une dépense financière. C'est une donation que tu fais, c'est un prêt que tu fais pour Allah, c'est cela que tu obéis, en plus. Quel que soit le prix que tu payes, quand tu peux payer, n'oublie pas que c'est ce pas une dépense, al qui est inutile. Tu es en train de dépenser pour Allah. Là, tu fais, une, tu fais un prêt dont tu vas être gagnant, l'harmaqriyam. Là, tu es en train de faire une donation dont tu vas récupérer bien plus l'harmaqriyam. Donc, c'est à cela qu'il faut que tu penses. Donc, peu importe ce que tu vas dépenser, dépenser de ce que tu peux dépenser, sache que tout ce que tu dépenses sur le chemin d'Allah ne sera jamais perdu. Que ce soit en bonne œuvre, en bonne action, en temps, tu vois, tu te consacres en temps, en tout cela, tout ce que tu dépenses pour Allah, quelle que soit la chose, eh bien, ce n'est pas perdu. Encore plus, tu es bien. Parce que l'argent, tu verras, tu verras que Allah, souvent, il mentionne cela en priorité pour que tu te rappelles. Al-Mel ou Al-Banoun tu vois L'argent et les enfants sont les biens. Et les enfants sont quoi Sont l'ornement de ce bas monde. Ou le verset qu'on a cité tout à l'heure. Le jour où sera d'aucune utilité, les biens et les enfants. Tu vois, souvent, c'est lié comme cela. Pourquoi Pour te rappeler que tout cela n'est que ornement, décoration, bienfait mondain, mais que tu ne vas rien prendre de tout cela avec toi. Tout cela ne te servira à rien le jour de la résurrection. Tu n'auras avec toi que tes bonnes œuvres, que ce à quoi tu t'es consacré, sacrifié dans ce bas monde pour ton Seigneur, le Seigneur des mondes.